Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui, je vais d'abord m'excuser pour l'absence que j'ai pu faire pendant ces deux semaines. Donc je vais vous expliquer. Et ben en fait, j'ai pas eu trop le temps de tourner l'épisode 10 de l'épisode de Borderlands 2. Donc tout d'abord, tout simplement parce que j'ai eu certains commentaires qui m'ont déplu, je sais, mais c'était quand même la vérité parce qu'en fait, ils ont dit que oui, ça faisait quand même 6 mois que le jeu est sorti, il y a eu plein de let's play sur ce jeu, etc. Et puis ça m'a eu donné l'occasion de tourner plus d'épisodes sur RiderZ. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un MMORPG. Donc enfin bref, j'ai préféré... Au début j'avais arrêté le let's play en fait carrément, mais je me suis dit bah pourquoi pas le remettre pour le fun. C'est pas pour... c'est pas un let's play professionnel, etc. C'est un let's play pour le fun, tout simplement. Et voilà, donc... on va continuer où on était arrivé. Alors, on doit infiltrer la prison d'Hyperion. Donc je pense qu'on doit lui parler. Ah, non, ça marche pas. Ah oui, il faut matérialiser un véhicule. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Lightburner. Hop, j'ai matérialisé ce véhicule. Monter dans le véhicule, voilà. Allez, c'est parti! Ah, ça va me manquer tout ça. Ils sont où les ennemis? Hey! Eh, bâtard, dégage! Bande de petits moustiques. Même pas, c'est pas des moustiques, c'est des araignées. Voilà! 8 dollars. Pas mal. Bon, par quelle route faut passer? Ah, j'avais pas vu. La route était enneigée. Et du coup, elle était bien dissimulée, la coquine. Bon, oh, encore des voitures ennemies. Bon, on va se les faire. Viens par là. Frisbee. Dans ta face. YOLO. Bim. Tiens, tiens. Alors, on va jouer à Fast and Furious. Allez. Bim. Deux jeux en un. Bim. Ça, c'est fait. Plus que deux voitures, on a réussi un succès, je pense. Bim, frisbee dans ta face. Et... Bim! Ah! Ça, c'est fait aussi. Alors, pas une autre personne. Oh, agent. Un hélico. Moi, c'est aussi bien, les hélicos. Dans ta face, frisbee. Allez, va chercher le frisbee, chien. Voilà, on a pété des hélicos et deux voitures ennemies. C'est pas mal pour un début. Oh, un ennemi qui pop. Lol. Ah, je vais pas user tous mes frisbees parce que je crois que je... Oh, mais si, je l'ai fini, bah tant mieux. Ah, je l'avais pas vu. Bon, oh, il y en a un autre là-bas. Ah, faut que j'apprenne à conduire. Je vais pas passer mon permis. Ah, faut pas qu'il y ait des policiers par là. Oh, merde, toi, crève. Tiens, corps à corps. Non, il m'a pété ma bagnole. Enfoiré. Tu vas me la rembourser, je l'ai payé 200 000 euros, enfoiré. Tiens, tu m'as payé un nouveau niveau pour te récompenser. Merci. Est-ce qu'il est en train de tirer sur moi? Ah, il veut m'écraser, mais dégage. Non, aïe, 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 aïe. Fuck this. Ce qui... Oh, je l'ai défoncé. Bim. Ah, j'ai plus de munitions. Non, 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 non. Non, frère. Bim, bim, et bim. Ça, ça fait. Allez. Ah, c'est quoi ça? Bouche au droit du sort de la grosse Ellie. Oh. Ma mère Motsi m'a toujours dit que si je perdais du poids, je ferais plus d'effet au mec. Comme quoi, les idées reçues. Tous ces gars qui... Ouais, perdre du poids, ça c'est une très bonne idée. Elle avait raison, ta mère. Bon. Moi, il faut que j'aille chercher un nouveau véhicule vu qu'on s'est fait péter le nôtre. Oh là là, on n'est pas malin. C'est ça, jouer le fifou. Mais je m'en bats les couilles. De toute façon, je vais le refaire juste après. Oh, des petits imenopti, ouais. Lol. En fait, pas besoin de rajouter petit juste devant. Ah, ah. Un matérialiseur, non? Non? Si, peut-être. Ah, oh, si, si. Attends. Ah oh, oui!
Bim. Et voilà, nouveau véhicule. Bah on va s'éclater. Tempo fast H. Ouais, parce que les voitures ont aussi des têtes, ouais, c'est logique. Bah oui, mais t'es où pour que je te dévalise? T'es mort, toi? Ah, c'est dans la caravane, non? Si? Non? Si? Non? Si? Mais fuck! Y'a quoi dans la caravane? Comment on monte dans cette caravane? Oh, fuck! Nous, on va plutôt se diriger vers le plan qui se trouve là-bas. Ah merde, je me suis trompé de trucs. Ah, il est stylé notre assassin. Mais non, mais je veux pas aller là. Ah. Allez, c'est... Bim. Allez, on repart en drift, on est trop des fous, nous. Ouh. Ah, attends, c'est pas shift pour... Ah, bon. Ah, mais attends. C'est dans la caravane, non? Ah non, mais c'est juste là-bas. Ah, d'accord, j'ai pigé. Ah, non, non. Elle va passer ma voiture, je te le dis maintenant. Alors, on prend d'un élan. C'est parti, yolo, bim. Mais pourquoi tu le casses pas? C'est nul. Ah. Mais quoi? Mais elle peut passer ma voiture. Eh, regardez la taille de la voiture et les trous. Regarde. Ah, voilà. On est d'accord, elle peut passer. Mais non, parce que il y a de l'herbe. Bah oui, maintenant, l'herbe, c'est un bloc. Genius. Bon. Ah, j'ai retourné la voiture. Bon, va falloir qu'on y va à pattes. Fuck that shit. Bon, pas grave. Qui va me faire qui? Oh, eh, oh. Qui veut se faire moi? Qui? Attends. Il y a personne. What the fuck? Des fantômes sauvages. Lol. Bon. C'est ici. Les ennemis en armure ont une barre de santé jaune. Ici, vous voyez une barre de santé jaune. Bon, enfin bref. Infiltrer la prison d'Hyperion. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on doit tuer le G4R D13N. Donc qui est le robot surpuissant. Qui nous fait très 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 chier. Et qu'on devrait tuer justement. Alors. Ah ouais, on va recharger tout à fond. Voilà, voilà, voilà. Non. Ouais, ouais, mitraillette, non, plein. Shotgun, ceci, pas besoin, fusil d'assaut. Voilà, on a tout full. Et ça, on va acheter de la trace santé. Voilà. Classe assassin, dégâts critiques, équipe, vitesse rechargeable, capacité, bouclier, santé max plus 68, régène santé. Ça, vu qu'il y a une vitesse de rechargement qui va nous être... Pourquoi on n'est pas? Je suis pas un SDF, moi. Attends, peut-être si je vends quelques trucs. Vendre la camelot. Super. Ah. What the fuck? Comment? Je savais même pas que j'avais cette arme. Vendre. Entrée. C'est quoi? Mode class trooper, résistance aux dégâts électriques. Donc ça, c'est pas pour moi. Bim. Notre truc, nul. Non, si, non, si, non, non. Ok, est-ce qu'on a assez? Non, toujours pas. Bon, bah, on repart ça. C'est pas grave. C'est où qu'on matérialise le véhicule? C'est pas ici? Non, j'ai cru qu'on allait y aller en véhicule, mais non. Va falloir faire un peu de marche. Ça nous fera pas de mal. Allez. Bon, ici c'est un cul-de-sac, ok. Oh, des ennemis là-bas. Ah oui, faut pas que je me fasse repérer par contre. Le mec, je suis devant lui, me voit pas. Lol. Attends, dans les yeux. Bim! Dans l'œil rouge. Ah oui! Faut tirer dans l'œil rouge. Ah, mais ça tue. Je connais leur point faible. Maintenant, je suis invincible. Regardez. Critique, critique et critique. Voilà. Ah, oh, mais c'est une superbe technique, ça. En plus, avec mon sniper pyro, eh ben, on est super bien. Oula, c'est quoi, ça? Ah, ah. What the fuck? La guerre des mondes 2.
la suite du film inédit. Bientôt dans vos écrans. Oh Crève, non. Mais il est où ton œil rouge? Ah non, c'est les robots suicidaires. Fantas. Ah, oh, c'est quoi? Un réparateur, retapeur. D'accord. Faut aller où? Oh, la musique. Qui veut dire qu'il n'y a pas d'ennemis. Et là, dans l'œil rouge, ok. Voilà, on l'a fini. Aïe. Faut que je regarde, il vient d'où? Ok, toi tu viens de là. Ah. Allez, ok. Oh, encore un suicidaire. Mais vous en avez marre de la vie ou quoi? La si belle vie. Ah, les fuck. Hein, t'es où? Bim. A pu. Bon, et lui, c'est quoi là-bas? Et nécrophage. Ok, le gars, c'est un nécrophile. Ok, d'accord. Enfin, bref. Bon, ils sont où les ennemis? Ah, ils sont là-bas. Attendez, je prends tout ce qu'il y a là. Aïe, vite. Ton œil rouge, il est où? Ton œil diabolique qui vient du mal. Ça, c'est quoi? Wow, météorite. Pourquoi pas? Quoi, j'ai déjà pété tous les ennemis? Mais c'est nul! Je dislike. Bon, y a pas d'autres trucs. Ah, ok, j'ai déjà tué tous les ennemis. Bon, ça va assez vite quand même, hein. C'était pas comme dans l'épisode précédent, tu te faisais kill tous les 2 secondes. Bon, ma foi, ça nous arrange un peu quand même. Bon, c'est tout droit, ok. Alors, il n'y a pas d'autre ennemi. Oh, mais si, j'en vois un au loin. Dans l'œil rouge. Attends, je crois que je l'ai one-shot. Mais oui, je l'ai one-shot. Lol. C'est... Hop. Ah, j'en vois un arriver. Made. Putain. Ah, je veux trop être le petit robot, là. Ils veulent comme je sais pas quoi. Ah, faut pas que je m'accroupisse. Aïe. Boum. Mission commando. Bim. Ah, mais meurs. Ah, mais c'est eux qui les réparaient. D'accord, bah tu vas pas vivre longtemps, toi. Ah, mais ils sont où leur œil rouge pour que je puisse les attaquer? Aïe. Shadow, en vrai. Ah, ils viennent de partout. Ils veulent tous nous envahir. Ah, fuck, ils vont m'attraper. Prenez ma famille et mes enfants. Moi, je n'ai rien fait. Ah. Oh, c'est quoi ça? Encore. Les robots, ils spawn. Elle a fini. Ah, on se fait envahir. Crevez, bande de porteurs gun de Meda. Oh, putain. Dégage. T'es pas beau. Merde, j'ai plus de munitions. On va leur racheter. Non, peut-être qu'il y en a. Ici. Non. Fail. Bon, vite. Ça c'est quoi? Non, ça c'est pas ça. Ça et ça. Non, ça c'est pas ça. Pourquoi ils ont pas de fusil de précision? Ah non. Et ça c'est quoi? Non, c'est pas ça. Ah, j'en ai marre. Bon, en plus je vais récupérer leur vis, c'est ça qui me fait chier. Fusil de précision. Allez, bim. On recharge et on va aller où, Ned? Vous êtes où, les potis? Vous êtes où? Ah, tout d'un coup, tout le monde se bat, hein? Bande de tafioles! Venez vous défier à Tonton Zoovix. Oh! Toi, tu meurs! Hé! Toi aussi! J'ai dit toi aussi! Fais gaffe! Mais lol! Il vient d'où, lui? Mais le mec qui spawn juste devant moi, il me regarde. Mais le gars, c'est un gros pervers, quoi. Oh. Ah, tu te caches, hein. Bim. Ah, je vois l'oreille rouge. Je lui ai pété un bras. Je vais lui péter les 2 pattes arrière, gamin. Mais lol, mais crève. Bon, tu veux pas crever? Ben, on va te cuter, lol. Voilà, headshot. One shot. Seek one shot. Bon, toi, tu
Je crève. Oh, il voulait me lancer un laser. Mais oui, tu t'es cru au bled, toi. Et toi? Mais le gars, c'est un intrus, quoi. C'est un ingénieur de combat, alors que tous les autres, c'est des robots. Bon, il n'y a pas... Mais si, moi, j'avais de la vie. Ah, mais ça m'a déjà régéné. Je suis déjà fou, là. Ya, ninja. Toi, tu crèves. Yolo. Il n'y en a pas d'autres. Non, j'ai détruit toute l'espèce. C'est si vite. Oh, des grenades. Ça va me plaire, ça. Oh, coucou, petit ingénieur. Au revoir, petit ingénieur. Oh, ou des porteurs du spé. Oh oui. On va up très vite level 14, je pense. Non, c'est des suicidaires. Bande de bâtards. Non, je suis mort. Non, 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 toi, tu vas me servir d'appât. Oh oui, je te le dis. J'ai dit, je te le dis. Ah, voilà, voilà. Aïe, 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 aïe. Il me faut mon atra santé, mon atra santé. Lui, mon atra santé. Aïe, aïe, aïe. Bim, bim. Toi, je te casse les deux pattes arrière. Ah merde, lui, il résiste à mes attaques. Ok, ok, ok. Donc, on va prendre notre... Ça, et il va crever, regardez. Aïe, 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 aïe. C'est pas prévu, ça. Vite. Oh, oh, oh. Eh, monsieur, monsieur. Est-ce que c'est moi? Secours. Non, non, non. Je suis mort. Cette fois, je suis mort. Pas au début de l'épisode, hein. Donc voilà. Je me suis amélioré. Attention. Bon test. Et alors, on respawn où? Ah non, on respawn ici. Bon, on va se mettre tout full, voilà, voilà. Et on va se prendre une autre santé. On est déjà plein, ok. Pourquoi je peux plus courir? Ah, voilà, c'est bon. Bon. Cette fois, on va s'améliorer un petit peu et on va passer au level supérieur. Voilà. Ah, mais je croyais que ça allait one-shot, lui. Oh, des munitions. Hop. Ah, ça c'est quoi? Ok. Non. Non. Ah, il m'a lancé une grenade. Ça va péter. Ça pète pas? Lol. Voilà. On va monter sur le rocher. On est dit Yamakasi. Aïe, 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 aïe. Bim. Allez, 3, 6, let's go. Lol. Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que tu veux toi? Je t'ai cassé les deux pattes arrière et tu marches quand même? Mais what the fuck? Mais franchement, tu veux vraiment te défier à moi? Tu veux perdre ta deuxième jambe? Je vais devoir t'amputer, tu sais. Pourquoi tu recules? Pourquoi? Tu tiens pas à la vie? Bon, ta gueule. Voilà, ça c'est fait. Et ça aussi, j'ai dit. Ça aussi, voilà. Gentil toutou. Oh non, des autres veulent se défier à moi. Oh, mais y a pas de problème. Je suis à leur disposition, tiens. Oh non, des suicidaires. Ah, 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 il va se suicider sur moi. Ah, aïe, bande de terroristes. Crève, crève, crève. Oh, oui, oui, je sais que je vais le tuer, je sais, je sais. Ah, c'est prévu dans mon destin. Oui, just like this. Bon. Toi, je t'ai vu. Oh, une mitraillette, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Aïe, bâtard. Aïe, bâtard. Mais qu'est-ce que tu veux, là? Voilà, ça c'est fait. Ah, t'as plus de jambes, c'est con, hein. Enfin, t'as plus de bras, plutôt. Maintenant, on va te casser les deux pattes arrière. Regarde. Ah, non. On va te les cuter, alors. Voilà. Genre, le mec, je lui cut ses pattes arrière, il crève même pas. Méchant. Oh, merde, mais... Ah non, c'est critique, j'ai cru que c'était écrit résiste. Oh, mais je sais plus lire. Tu m'auras pas. T'es pas visé. T'es aveugle. Je t'ai pété l'œil. Oh non. Ah, au secours, on veut me tuer. Non. Crève, crève, crève. En fait, si je les tue, je gagne beaucoup d'XP, je crois. Non. Ah non. En fait, c'est que si je les tue avant qu'ils suicident que je gagne beaucoup d'XP, je pense. Ok. Allez, il nous en reste plus que un. Aïe, dégage.
Ah ouais, c'est juste l'ingénieur, d'accord. Ça va aller vite, lui. Voilà, hop. Et... je dis, et... oh, fuck. Ok, on est tout proche. Je sens que cette bataille va être épique. Attendez, par contre, il me faut... mon être en santé. Mais lui, mon être en santé. Lol. Mais what the fuck. Mais je crois que j'étais plein, du coup, je pouvais pas l'avoir. J'y piche plus rien, moi. J'y piche plus rien, hein. Oh, moi je suis un Congolais. Je n'ai rien contre les Congolais, je vous le dis maintenant. Bon. Hop, des petites munitions. Oh my god! Just like this! Maintenant on va passer au vrai combat! Oh yeah! Bon. Mission commando spéciale! Bim bim bim! Bim. Aïe 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 aïe, par contre tu me fais assez mal cet enfoiré. Voilà, ok. Il me faut de la transporter. Oui, de la transporter, je t'aime. Ah, par contre, s'il y a le robot qu'il y avait dans l'épisode précédent, je pète un câble. Aïe. Oh, mais regardez ce bruit, c'est incroyable. On dirait la guerre des mondes, c'est... mais c'est épique. Oh non, le portage XP est là, le fou furieux, le psychopathe, mon ami quoi. Attends, ça doit être un de mes cousins lointains en fait lui. Oh, c'est quoi ça? Le Bedfire blesse continuellement les ennemis tant qu'il reste dans la zone. Oui, non, mais ça m'intéresse pas. Aïe, 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 aïe. Non, je veux vivre. Fuck. Crève, enfoiré de robot de ta mère. Vous allez crever. C'est moi qui dominerai le monde. Non, suicideur. Aïe, aïe. Faut mal. Non. Pas les porteurs brutales. Pourquoi? Non. Maudit soit les porteurs brutales. Allez vous pendre, bande de sadiques de merde. Putain de fils de papa. Bon. Vu qu'il y a le porteur brutal, on va jouer stratégique. Aïe. Bon, toi, ta mère, hein. Ta mère. Voilà. Aïe. J'ai pris cher, bordel. Voilà, voilà. Bon, des munitions. Oh non, merde. C'est pas des munitions de... aïe. Mais arrête, tu me fais mal. Enfoiré. Ah non, faut que je suis... merde. Non. Non, 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 non. Oui. Yes. Mais il est où son œil rouge à lui? Je le vois pas. Non. Bon. En fait, mais il n'y a pas d'œil rouge. Du coup... je pourrais pas le tuer. Ouais, comme ça, mais... je te ma gueule un peu, là. Oh oui. En fait, faut juste péter sa protection. Non, 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 non. Pourquoi maintenant? J'ai plus de munitions, fait fuck. Et pourquoi maintenant? Pourquoi, quand je suis en plein combat, j'ai plus de munitions? Et en plus, c'est à chaque fois, ça, hein. Mais on dirait Borderlands 2, c'est mon pire ennemi, il me déteste. Mais pour ça, je voulais rien faire, à ce que je sache. Mais toi, ta mère, tu vas me... ah! Aïe, aïe, aïe. Achik, achik, aïe. Ok, bref. Aïe. Enfoiré. Non, mais recharge. Pourtant, je... ah non, je l'avais même pas acheté, justement, le truc. Oui. Ah oui, de notre santé. Et des munitions. Des munitions. Mais allez vous faire foutre. Il n'y a jamais de munitions pour moi, de toute façon. C'est quoi ces munitions? Non, c'est pas des munitions pour ça, mais fuck. En plus, je parie... oh non, ça marche. Attendez. Non, non, je crois que c'était le simple porteur gun. Ouais, il résiste à ça. Merde, merde, merde. Hein? Il y a quoi sur lui? Aïe. Fuck.
Ah je prends cher de tous les côtés, maman, c'est pas juste. Bon. Rêve. Enfin, oui, 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 oui. Non! Non, il faut pas que je rage. Ah. Bon. Ouh, ça. Ah, ok. Ok, calmons-nous. Sauf que cette arme jamaïcaine commence à me saouler. Pourquoi j'en ai pas une deuxième un peu plus puissante? Ça m'aurait un peu moins fait chier. Bon. Hop, on va acheter tout. Voilà. Mais merde, je dois faire toute la route. Oh là là. Ah non, mais je m'en fous, hein. Pour cet épisode, je vais le battre, sous G4, le robot puissant, là, je m'en fous. Je vais le battre, je m'en bats les cornes. Je vais le défoncer. Ah, même si on doit passer une heure, et d'ailleurs, je crois que cet épisode va durer une heure, parce que j'ai bien envie de me rattraper les deux semaines. Ouh, ça commence à me gaver. En fait, c'est pas le G4R, je sais pas quoi, là. C'est le porteur brutal qui me fait chier. Mais oui, c'est lui en fait qui me fait chier, regardez. Aïe, aïe. Ah, mais vos mères, vous. Oh, mais putain. Allez, je parie lui va recharger. Mais attends, mais oui, c'était prévisible. Oh, mais fuck that shit. Mais pute. Ça commence à me faire rager ce jeu. Je vais casser mon écran, je vais faire quelque chose, je sais pas moi. Arrêtez de m'énerver, bordel de merde. Pourquoi mon arme elle est pas déjà rechargée déjà? Putain, non mais j'ai envie de péter un câble là. Ouf. Je penserais jamais que un jeu fun pourrait me faire rager. Jamais de ma vie j'aurais pensé ça. Jamais. Bon, je vérifie si tous mes armes sont chargées. Donc oui, ils sont chargés. Vous êtes témoin. Voilà. Oh non, lui il faut le recharger. Ok. Donc maintenant, si par je ne sais quelle sorcellerie je commence à recharger pendant que je suis mort, c'est n'importe quoi. Voilà, toi, je me le fais. Ah mais pourquoi je brûle? Ok, c'est lui qu'il faut que je me fasse. Enfin, non, le porteur gun pour qu'il me laisse tranquille les autres. Là, il y a plein d'ennemis, j'en ai marre. En plus, il pop tous les deux minutes. Bon, allez, on va l'avoir d'ici. Bâtard! T'es un bâtard, toi, tu sais! Ah, moi, je me l'aime! Tu vas dégager tout de suite! Ah! Tu m'as pas, tralalananère! Yolo, t'es une grosse merde! Grosse merde! En fait, je crois que c'est lui le boss final! Ah non, mais j'imagine pas le reste du boss final, quoi! Vous imaginez le boss final? Mais je vais chier! Je vais péter tout mon jeu! Tu peux pas m'avoir. Ah si, mais... Ah non, c'est super, il y a un truc pour me protéger. Ah oui, oh oui, oh oui. Plus la glace. Ah. Vidéo pour les moins de 18 ans. Oh fuck. Non. Mais oui, il n'y a pas de robot. Oh, peut-être que je vais le tuer. Je sais pas. Allez. Crève. Oui. Yes. Je l'ai défoncé, je l'ai honnête, dans ta face. Tiens, dans ta face, tu rages, bâtard. T'es qu'un gros bâtard. De toute façon, ta mère, c'est une bâtard. T'es un bâtard, c'est tout de ce côté, t'es un bâtard. Ah, oh, plus mon... Oh oui, oh, mais just like this, bitch. Bitch. Voilà, je l'ai enfin honnête, ce gros bâtard.
C'est un bâtard, de toute façon, il a toujours été un bâtard. En plus, maintenant, j'ai un nouveau sniper super stylé, soigné. Et il est trop soin, quoi. Non, je rigole. Mais en tout cas, on a notre truc et on va pouvoir péter... Quoi ? Mais putain, il y en a deux ! Non ! Oh, mais oui ! Mais grâce à mon nouveau sniper, maintenant, je vais pouvoir le péter en deux secondes. Ah oui, non, en fait, je rush pas, c'est bon. Je vous le pardonne. Oh non, en plus c'est un auto noob comme dans Counter-Strike. Mais là, l'Epic Troll. Attends, je vais essayer de me faire directement le GKTNGNMHNCHN. Je sais pas comment il s'appelle. Oh oh. Ah, mais non, mais lui il est 10 fois plus pire. Lol. Oh, oh, mais non, en fait, je vais mourir. Attendez, hop, on l'a. Il est où son œil? Il n'a pas d'œil. Super. Mais oui. Oh, mais si. Oh, je vais le péter. Oh, je suis trop mec. Ah, je la casse. Ok. On va reprendre notre souffle. Et on va tous la péter. Yo, Wiza. Bon, toi, tu vas crever, bâtard. Ah oui, mais... Ah, mais en fait, ça revient au même. Bon, regardez la technique. Oh non, c'est pas encore lui. Ah non, c'est bon. Vite, mais arrête de me tuer. Critique, allez, oui, comme ça, oui, je vais te libérer, mon Roland, je te jure, ah, je te jure que je te libérerai, tu es comme un frère pour moi, même si je te connais pas, je sais même pas à quoi tu sers dans le jeu, mais je m'en fous, ah. Ah, c'est un porteur brutal, là, je suis dans la merde, non, toi tu crèves, voilà, toi aussi, j'ai dit toi aussi, obéis-moi, non, on va plutôt, aïe. Bâtard! Quoi, t'as un problème avec ma mère, toi? T'as un problème avec ma mère, bâtard! Aïe, je crois que je vais mourir. Ah, j'ai trop joué, mon fifou! Bim! Fuck! J'ai plus de munitions! Sniff, bisbis à la galette. Bon. De toute façon, maintenant qu'on a notre sniper surcheaté, on va pouvoir tout péter. Bon, c'est parti. Ça va chier du couscous aujourd'hui. Hop, je vais prendre ça. T'as vu? Voilà. Ah, mais regardez l'intelligence que j'ai. Oh, je suis intelligent. Bah oui. Ou pas. Ah si. Si. Ben non, en fait. Je me suis auto-clashé. En plus, je suis très con. Enfin bref, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est tuer ce G4RD13N. Non, je suis un robot. Bon, je vais le tuer sa maman, lui. T'es où, Panzani? De la mafia, tu fais partie de la mafia italienne? Ah, tu fais partie des Yakuza? Ah, d'accord. Ah, mais j'ai pas rien contre toi, alors. Bon, tu es où? Ah, je vais l'avoir de là, t'as vu? YOLO, on est des snipers. Bim. One shot. Bim. Ah non, lui, je le veux pas one shot, en fait. Ah, c'est lui. Bim. Wouhou. Ah, j'adore. Aïe. Faut que je me protège. Attendez, on va prendre notre sniper pyro pour les porter gun. Voilà. Ah, c'est super chaud, je vous le dis maintenant. Mais ta mère, toi, meurs. Mais... Ah, petit coquine. Bâtard, les bâtards. Mais ta mère, toi, va brûler en enfer, enculé de femme. Va brûler en enfer chez les robots, là. L'enfer des robots. Mais rien que vous, votre espèce, c'est des enfers, d'ailleurs. Dédicace aux robots du futur qui sont en train de regarder cette vidéo. J'en sais rien, peut-être des robots regarderont ma vidéo. Donc voilà, dédicace à vous les robots. Dédicace à vous. Aïe, bâtard. Oh, quelqu'un veut se défier à moi. Ah non, mais je rigolais. Ah, de 10 secondes, oui. Oh. Voilà, nous, notre objectif, c'est ce putain.
de trucs de malheur. Attends, peut-être ça va faire pause. Oh oui, ça fait pause. Nanana. Bon, normalement, j'avais un autre à santé. Si. J'avais un autre à santé. Je le sais, c'est moi qui le sais, voilà, c'est tout. Vous avez rien à dire, ok. Bon. Voilà. Là, on recharge. Ah, mais j'avais pas vu ce coin de la map. Peut-être qu'il y a des intras santé ici. Oh, mais oui qu'il y en avait. Ou pas, en fait. C'est quoi ça? Aïe, bâtard, tu viens d'où, toi? Ah! What the fuck? Ah, mais c'est quoi ça? C'est quoi toute cette stupéfaction? Ah, oui. Non! Il y a des lasers bioniques, ce personnage. Qui vont nous taper? Qui vont nous taper? What the hell? Non, bah, du coup, regardez le piège que j'ai conçu dans ma tête. Donc, je passe par ici. Voilà. Je me le fais de là. Ah non, ce bâtard, il y a un laser. Aïe. Ah non, le porteur brutal, il est là. Des renforts. Non, pas des renforts. Dans l'œil. Il faut viser dans l'œil. Dans l'œil. Oui. Si on arrive à le tuer, on va tuer toute son espèce, je pense. Donc vas-y. Let's go. Yes, let's go. Oh là, oh net. Bitch. On l'a défoncé. Toi-même, tu sais. La. Toi aussi, tu sais. Toi-même, tu sais. On l'a défoncé. YOLO RPZ. Aïe. Oh putain, on a enfin défoncé ce connard de ta mère, de cette espèce animale sous je sais pas quoi moi. Mais en tout cas, c'est des gros bâtards. On l'a défoncé. Je suis très content de nous. Il faut être fier de nous. Il nous faut des médailles, plein de médailles, tout plein. Pour nous récompenser d'ailleurs, il faut être président de cette planète maintenant qu'on l'a défoncé. Je suis désolé. C'est notre prix, je suis désolé. Voilà, c'est tout. Ah bâtard! Oh non, ils ont tous respawn! Ah, mais fuck! Mais en plus, je suis coincé, quoi. Bon, d'accord. Maintenant, il faut que je tue tous les porteurs. Dans les yeux. Dans le nunnel. Hop, dans les yeux, ici. Voilà. Coup critique. Ok, voilà. Ah, le bâtard, il m'a électricité. Électricité, nintinté. Bim, hey, ciao. Fuck off. Moi, je suis prestige 50 000 sur BF. Ah, encore le terroriste asiatique qui veut nous tuer. Sale blédard. Les deuxièmes Beladen. Des porteurs Beladen. What the fuck. Bim. Ah, ta mère, toi. Voilà, ta maman. Toi aussi, ta maman, t'es calé. Je vais dire à ma maman. Ah. Oh là, tu t'es suicidé dans le vent. Couillon, va. Oh oui, plein de thunes, on est riche. Ah, mais toi, tu veux me chercher des cochonnets, hein. Mais maintenant, le porteur brutal, ça fait rien du tout, maintenant, grâce à le sniper que j'ai récolté sur le porteur brutal, justement. Regardez, bien dans les yeux, et voilà. 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 Et voilà, headshot, finish. Opération sauvetage, au rapport, chef. Bon, on peut être très fiers de nous. On l'a défoncé. On est des macs. Oui, c'est ça. C'est le mot exact. On est des PGM. Non, je rigole. On se bat un peu, mais je parie, les gens qui regardent cette vidéo, on l'aurait réussi en 2 secondes. Il y a que moi qui a galéré comme un gros porc. Donc je me sens un peu con, là, du coup. Bon, enfin, bref. On va aller chercher le petit Roland. Qui m'en a fait baver, ce bâtard. Alors, c'est quoi ça? Hunting Longer Rage Killer. Accent de merde. Bon, Tralali la loom. Vu qu'il fait x6 de dégâts, on va le prendre, tiens. Oh, just like this. Il est pas mal. Bon, bah, je garde cette arme. Eh ben,
Après deux épisodes d'acharnement contre les robots tueurs ou robots qui nous envahissent qui viennent de la guerre des mondes, ils sont sortis de notre téléviseur pour venir dans notre écran d'ordi, voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui jouent sur PS3, j'avais oublié ça. Et sur Xbox. Donc, je sais pas, moi. Ah, what the fuck? C'est quoi, ça? Ah, ça va, Roland, il m'aide. Ah, ça va, t'es un chantier. Et on peut pas le... Ah non, on peut pas. Ah, c'est quoi? Hop, sniping. Ok. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Mais ta mère, toi! Ta gueule. Roland, mon ami! Entrez. Oh, claptrap! On se retrouve à son cœur. Oui, yeah! Chapitre 8 fini! Mais j'aurais besoin de ton... Eh ben non! En fait, on arrive à la chapitre 8! Ah, que je suis belle! Oh, merci. Je peux te calmer? Jacques n'a pas envie, William, tant mieux. Ok, retrouver Roland en sanctuaire. Donc, on va aller à Sanctuary. Ah là là. Je suis très content de cet épisode. Ah, c'était le meilleur épisode de tous les épisodes, de tout. Ouh, eh ben. Oh, je crois que je vais prendre ça. Attendez. Dégâts, Ça, on le jette. Ouh, on peut pas le déplacer, ouais. Abandonné. Et on va prendre vitesse de rechargement, plus 17%. Ce qui va nous être très utile. Donc d'ailleurs, quand on doit prendre notre second souffle... Alors... Bon, il est où, Roland? Ah... Mais qu'est-ce que vous voulez, Beau? Ah, mais qu'est-ce que tu vas, toi? Moi, je vous cut. Moi, je suis un fou, moi. Tiens, dans ta face. Bim. Moi, j'ai un couteau suisse. Tu peux pas me tester. Bim. Ah, bim. One shot. Et... Ah, j'aime pas. Voilà. Ah, fuck, je crois qu'il y a un porteur boussol. Bon, on va plutôt se barrer au lieu de se battre. Bon, je le finis, lui. Et lui aussi, parce que je l'aime pas. Parce qu'il est pas... Il est trop moche. C'est le seul des moches, d'ailleurs. Même s'ils se ressemblent tous. Oh oui, du Iridium pour ma topine. C'est ma topine qui va être contente. Tiens, je te casse un bras. Maintenant, comment tu vas faire pour geeker, hein? Comment tu vas faire, hein? Ouh. Allez, on va aller retrouver Roland à Sanctuary. On va essayer d'ailleurs de passer level 14. Ça serait un bon départ pour le nouveau chapitre. Et ben voilà, si vous aimez bien infliger des dégâts à longue distance, jetez un coup d'œil à l'arbre, sans sniper de l'assassin. Ok. Ah, mais oui, il n'y a pas tort, lui, l'arborescence. Devinez, c'est quoi l'arborescence? C'est bien sûr les skills. Alors, l'heure 3, compétition, nananana, ruse, bain de sang. Accélère votre vitesse de rechargement et d'échange d'armes. Après avoir été touché, vous avez une chance d'affliger des dégâts massifs lors de votre prochaine attaque. D'accord. Et ça, c'est quoi? Dans la tête, augmente les dégâts de coups critiques, augmente la zoom de tous vos types d'armes. Votre visée est également moins perturbée quand vous subissez des dégâts. Dégâts coup critique, ça, vitesse de rechargement plus 5, vitesse d'échange d'armes. Ouais, ça c'est quoi? Dégâts des armes. Oh. Je sais pas. Non, ok. On va prendre ça, voilà. Ouais, ça m'a pris au moins 10 minutes pour choisir ce putain de skill, ouais. Bon. Putain, 509 de... Ah, quand même. Bon, on va prendre un véhicule parce que j'ai la flemme d'y aller à pied, moi. Hop, et hop. Allez, c'est parti! Ouais, au centre des boulots. Ouais. Faut bien que je passe par là, au moins. Attends, mais je suis pas sanctuary là, en fait.
Ah non, Sanctuary, c'est loin, loin, très 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 loin dans les fafonds de l'espace. Vroom, vrim, vram. Ah, faut que je monte la montagne. Ouais, je chante l'intro de Diablo X9 parce que je l'aime bien, je sais pas pourquoi. Elle se met bien dans la tête. Voilà. Trihorn Valley. Oh, je voudrais bien l'avoir, l'arme là. Alors, je suis arrivé à Sanctuary ou pas? Même pas. Ah oui, Sanctuary, c'est super loin en fait. Mais ouais, Sanctuary. Attends, mais comment je vais faire moi? Heureusement que j'ai des véhicules, mais voilà. Bienvenue à l'Autolac nouvelle génération. Avec 47% de morts en plus que les 26% annuels. Lol. C'est moins que l'année dernière. Un applaudissement. C'est vrai que j'aime bien Chu en fait. Il est super fun. Bon. C'est tout droit. Attends, j'espère au moins. Fallait passer dans le truc. Ah, mais oui, c'est bon, c'est là. Quoique. Quoique. Mais ta mère, toi, ce qu'a vomissant, je sais pas quoi là. Ah! Ah! Fuck, mais laissez-moi tranquille. Non. Attendez, laissez-moi. Bon. Un train à prendre. Non. Mm-hmm. Et ça, c'est quoi? Ok. Et il faut aller où, s'il vous plaît? Ta mère, crève, bâtard. J'en sais rien du tout en fait, faut aller. Donc on va plutôt suivre le truc qui se trouve là-bas. Je sais pas lequel est bon. Happy Pigmotel. Oula, je suis complètement perdu. Mais pourquoi il y a deux trucs du coup? Ah, c'est ici Sanctuary. Attends, mais ça revient strictement au même en fait. Je suis con. Bon, j'espère que Sanctuary est là-bas. Mais faut faire de la route et j'en ai marre de marcher. Oh lolo. La. Ah, bah pas se mettre à la troisième personne. Attends, je regarde ça. Clavier souris. Assignation des touches. Ouais, non, en fait, il n'y a pas. Ok. C'est pas grave. Oh. Je suis complètement fatigué, moi, d'ailleurs. Alors, c'est ici, Sanctuary? Non, mais pourquoi je suis là où il y a des ennemis? Et fuck, j'ai pas envie de me battre. La flemme, moi. Mais ta mère! Ah non! Bâtard! Tiens, toi. Eh, bâtard! Ah, dégage, je te dis. Ah, ouais, non. Oh. Y'a pas un autre? Ok. Non! Are you fucking kidding me? C'est pas ici! Non! Pourquoi c'est pas ici? Je vais me venger sur ton forêt! Non, mais en gros, t'es en train de me dire qu'on s'est trompé d'endroit depuis le début! Très sympa de la part des développeurs. Voilà. Ça m'énerve, j'ai envie de péter un câble. Ah, mais faut passer par où pour aller à Sanctuary, bordel. Alors qu'il fallait faire le détour. Ok. Ah. Ah merde, en fait.
En fait, faut aller là-bas. D'accord. Faut faire un détour de malade. Mais pourquoi pas. Attends, mais je suis à Sanctuary. Ah, qui était vers Sanctuary. Ah, ok. J'avais mal compris dans ma tête. Tout. Ah, mais Sanctuary, c'est juste là-bas. Je reconnais les Garogos. Ah, les Garogos, d'ailleurs, ça fait longtemps que je vous ai pas vus. Maintenant, je peux vous one-shot, les Garogos. Ah, mais dégage. Ah, Garogo adulte, il va me violer, ce pédophile. Ah, il me jette des cailloux. Hop. Ouh, eh ben, je peux vous dire qu'en fait, Borderlands 2, il est assez fun. D'ailleurs, je vous le conseille si vous regardez ce let's play. Il est assez fun, franchement. J'ai eu très 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 tort d'arrêter ce let's play. Donc je vais le recontinuer, je vous promets. Parce que... je sais pas, j'aurais pas continué ce let's play si Borderlands 2, la funité, j'ai appelé ça comme ça, ne m'aurait pas manqué. Parce que franchement, je m'éclate. C'est la fun assurée, c'est super bien. Donc voilà. On est bientôt arrivé à Sanctuary pour aller retrouver Roland et peut-être passer level 14. J'ai mais peut-être. C'est qui le bonhomme là? Pour activer. Oh, d'accord. Ah non, en fait. C'est un objectif personnalisé que j'ai personnalisé, je ne sais pas comment. Ok. Pourquoi pas? Eh là là. Par contre, il me faudrait une autre santé si je veux pas mourir moi. Attends, mais disiez-vous que depuis tout à l'heure, on marche. On marche à pied, quoi. On roule même pas. On a fait toute cette route à pied. Aïe! Oh! Des ptérodactyles! LOL! What the fuck? C'est des chauves-souris. Ma mère, dégagez. Allez embêter un autre genre. Oh. Non, je veux pas me battre avec vous. De toute façon, j'ai plus de munitions. Je chuterai pas. Allez. Oui, Sanctuary. Mais voilà. Ok. Donc, Roland se trouve où pour que je vois un peu par où je vais aller? Bah, c'est tout droit, en fait, vu que c'est Sanctuary. C'est super. D'ailleurs, faudrait que je lise l'histoire de Borderlands 2, parce que j'aime pas jouer sans savoir l'histoire. En fait, depuis le début, je connais pas du tout l'histoire, j'ai rien lu du tout. C'est un peu con, je sais, mais voilà. Ah, d'ailleurs, Scooter, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu. Hop, j'ouvre cette porte. C'est par là. Ok. Alors. Roland, il doit être juste ici. Roland, mon ami. Jack n'a pas la moindre chance. Epic fail. Roland, c'est pas lui. Il est où alors, Roland? Fermé? Non. Roland. Est-ce que c'est moi? Roland, t'es où? Oui, il est là. Comment est-ce que les bandits t'ont eu, au fait? J'étais en train de pisser et un bandit m'a assommé. Waouh, sacrément con. J'avoue. Ouais. J'ai merdé. Je plaisantais, Roland. Je suis ravi de te voir. Oh, merci. C'est là que tu dis que tu es ravi de me voir, toi aussi. Hein? Ouais. Tu te sens d'attaque? Ravi de te voir. Accepté. Sympa. Accepté. Donc, j'ai inspiré un culte. Et pas le genre marrant qui fait... Jack va tous nous tuer si tu ne fais rien pour l'en empêcher. J'ai rien gagné comme XP. Ça veut dire bonjour. Roland dit bonjour comme ça. Ah, ouais, pardon. Salut. Je vais être honnête avec toi, soldat. On est en train de la perdre, cette guerre. Ça fait des années qu'on essaie d'arrêter Jack. On bute ses hommes, on saccage ses mines d'iridium, mais ça suffit pas. Toi, par contre, tu as survécu face à lui. Tu as terrassé les écorcheurs et les sans-pitié. Tu nous as sauvés, Lily. Au fait, merci. Si on veut s'en sortir, on aura besoin de ton aide, chasseur de l'Arche. Bon, on croyait que Jack voulait ouvrir l'Arche pour nous rayer de la surface de Pandore. Mais d'après les infos que j'ai récupérées sur un convoi d'Hyperion, on s'est planté. Quoi? Il n'a pas l'intention d'ouvrir l'Arche. Il veut la contrôler. Je sais que je me répète, mais quoi? L'arche que convoite Jack n'est pas une prison alien, ni une planque d'armes. C'est quelque chose de vivant.
un ancien guerrier éridien, assez puissant. Désolé si je parle pas, c'est parce que je lis en fait. Pour comprendre un peu l'histoire, justement. Pour en prendre le contrôle. C'est assez flippant. Si Jack réveille le guerrier, ouais. Mais si on en prend le contrôle avant lui... On en profite pour rayer Hyperion de la carte. Ok, je suis partante. On a un problème. Il faut qu'on récupère la clé de l'arche qui sert à réveiller le guerrier. C'est Jack qui la détient. Mais si jamais t'as causé avec Tanis... Elle n'a pas vomi quand elle t'a vu, au moins. Ça lui arrive, parfois. Elle t'a peut-être dit que la clé doit être chargée en Iridium. C'est une course contre la montre. Chaque gramme de ce truc que Jack extrait le rapproche du moment où il réveillera le guerrier pour nous anéantir. Il faut donc qu'on mette la main sur cette clé de l'arche. Il y a quelqu'un qui peut nous dire où elle se trouve. Il est mon espion dans le Tundra Express. C'est un expert en renseignement. Mais aussi en biture. Il doit sûrement être en train de pioncer à plein de grosses quittes. Pour le réveiller, tu devras utiliser une arme incendiaire. Je t'expliquerai une fois là-bas. Hey, une arme incendiaire. Une arme pyro. Ça, c'est tout moi ça. Bon. Ben, pour justement les quêtes qu'on devra faire la prochaine fois, on le fera dans le prochain épisode. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez un peu amusé, que vous aurez aimé cette vidéo. Donc, et ben donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je m'aurai rattrapé mes 2 semaines et que vous ne serez pas un peu déçus. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à la liker, à mettre un pouce vert, donc à laisser un commentaire pour m'aider à avancer, justement, pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et le plus important, partagez cette vidéo si ça vous a plu. Donc, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye !